Tu aurais dû nous voir, la galère totale. On a finalement dû rentrer en taxi. Pourquoi? La voiture a eu un souci? Mais oui, j'étais en train de conduire calmement quand la courroie de distribution s'est coupée. Et pour éviter plus de dégâts, j'ai été obligé de la garer et de faire appel au mécanicien. Il va finalement passer la prendre demain matin. Il y avait plus de peur que de mal alors. Le repas est bien fait. Maman, c'est toi qui l'as cuisiné? Non. C'est Aïcha. C'est quoi ça? C'est sûrement Aïcha. Elle est dans la cuisine en train de manger. Elle est malade? J'en sais rien, moi. Papa, ça fait peur. Aïcha, qu'est-ce que tu as? Aïcha, Aïcha, reste avec nous, reste avec nous. Aïcha, reste avec nous. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Non, 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 non. Aïcha, 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 Aïcha. Aïcha, qu'est-ce que tu as? Aïcha, 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 qu'est-ce que tu as? Sûrement une grossesse. Mais non, tu vois bien qu'elle est en train de baver. Appelle le docteur Maison, s'il te plaît. On ne va quand même pas le déranger pour ça. Mais tu vois bien qu'elle est en train de souffrir. Appelle-le, s'il te plaît. Aïcha, 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 Aïcha. Non, 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 non. Il ne décroche pas. Ok. On va l'amener à l'hôpital. Monique, va chercher les clés de ta voiture, s'il te plaît. Aïcha, reste avec nous. Reste avec nous. Aïcha, reste avec nous. Aïcha, Aïcha, Aïcha. Non, 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 non. Aïcha. Daniel, va me trouver du sopalin, s'il te plaît. D'accord, papa. Aïcha, Aïcha. Non, non, Aïcha, réveille-toi, réveille-toi. Ne t'endors pas. Aïcha. La voiture ne démarre pas. Comment ça? Mais j'en sais rien, moi. Ok, c'est pas grave. On va l'amener à l'hôpital en taxi. Toi, va nous chercher un taxi en temps, ok? Ok. Aïcha! 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 Ce jour-là, après que Tanti soit allée faire les courses du mois, je suis allée voir mon oncle Maury. Je savais que les jours à venir allaient être cruciaux pour moi. Il me fallait me protéger. Mon oncle m'a remis cette ceinture en peau d'animal. Tiens, garde-la autour de ta hanche. Ne t'en sépare jamais. En tout cas, tant que tu seras dans cette maison. Merci, tonton. Garde-la bien. Et si elle te serre la hanche, quelle que soit la douleur, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que cette ceinture est en train de faire le travail pour lequel il est là. Te préserver et te protéger de l'attaque de l'ennemi. A tenté de me tuer. Comment tu vas, Aïcha? Ça va, tonton. Tu nous as fait peur. Ça m'arrive d'avoir ce genre de crise. Et tes parents n'ont jamais cherché à connaître l'origine de ce mal pour t'en guérir? J'ai des médicaments traditionnels pour me soigner.
Tu ne feras rien demain. Tu dois te reposer. Tonton, je ne sais pas ce que Tanti va apprécier de... Je vais lui en parler. Il n'est pas possible que tu travailles demain après ce qui vient de t'arriver aujourd'hui. Merci, tonton. Repose-toi bien. Mon patron était un homme bien. Sa femme n'avait pas pris le temps de le connaître. Il existe des hommes bons. Comment elle va? Il y a eu plus de peur que de mal. Elle va bien. Dieu merci. Chérie, j'aimerais que Aïcha prenne une journée de repos demain. Elle va donc rentrer en famille se reposer alors? Pas du tout. Elle va se reposer demain toute la journée et toi, tu t'occuperas de ta maison. Je ne sais pas ce qui se passe entre Aïcha et toi et je n'ai pas envie de savoir. Tout ce que je sais, c'est que demain, elle dormira toute la journée et toi, tu t'occuperas de la maison. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Et maintenant, on n'en parle plus. Ok? Ok. Hé, Aïcha, on a eu peur. On pensait que tu allais mourir. Ne vous inquiétez pas, les filles. J'ai encore de longues années devant moi. Mira. Mmh. On va te laisser te reposer maintenant. Merci, les filles. Dormez bien. Merci. Alvin, viens, on la laisse se reposer. Vas-y. Mmh. Avant de partir. Aucun médicament de désenvoûtement ne pourra empêcher ce poison d'agir. Adieu, Aïcha. Elle a donc empoisonné ma nourriture. Tu as longue vie. Tu as empoisonné ma nourriture. Tu t'en es sortie encore une fois. Mais je ne m'arrêterai pas là. Tanti, tu ne peux rien contre moi. On verra bien. Qui de nous deux a le plus grand pouvoir mystique? J'ai ma petite sœur qui vient de m'appeler. Elle dit que ma mère vient de faire une crise d'AVC et qu'elle est dans le coma. Quoi? Chérie, je dois partir de toute urgence au village.
Je ne peux pas être en paix en sachant que ma mère est entre la vie et la mort. Je vois, mais c'est quoi cette nouvelle-là? Dès demain, j'irai à l'agence pour me prendre un billet de toute urgence. D'accord. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner, on va y aller ensemble, on va prendre toutes les dispositions, ok? Non, chérie. Tu dois rester pour t'occuper des filles. Pas de soucis, mais je t'accompagne quand même à l'agence demain, d'accord? D'accord. Non, 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 non. Écoute, ça va aller. Tout va bien se passer. Ok? Je vais dire au revoir à Aïcha et on s'en va. Ok. Allez-y, les enfants. J'espère qu'à mon retour, tu seras très loin de ma maison. Parce que cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas vivante. Au revoir, Aïcha. Fais bon voyage, Tanti. Et que Dieu te ramène en bonne santé. Merci. On y va, comme la bonne. Les pieds et les mains. Voilà. Super. Ouh. Du dos, tout doucement. Oh, doucement. Doucement. C'est bien, ma princesse. C'est bien. Wow. Allez, on va se reposer un petit peu. Et c'est bon. Ta main, là. Top là. Aïcha, tu sais nager? Tonton, il ne sait pas nager, il y a peu de l'eau. Ok, c'est pas la peine de faire la cuisine aujourd'hui, on va sortir manger en ville. D'accord. Aïcha, viens, en plus l'eau est chaude. Il y a peu de l'eau. Mais tu peux quand même mettre les pieds dans l'eau. Amusez-vous bien sans moi. C'est bon. Vas-y, mange doucement, la nourriture ne va pas fuir. Papa, c'est trop doux. Dis-moi, Aïcha, pourquoi tu as arrêté tes études pour faire un travail de servante? J'ai arrêté mes études quand maman est décédée. Après son départ, papa est tombé gravement malade. Il a fallu que je me débrouille pour pouvoir m'en sortir et surtout payer ses soins médicaux. Votre maman a fait. Allô? Ça va? Ça va. Non, on est au restaurant, là. Je suis avec Daniel qui est en train de manger et la petite est en train de jouer dans la salle de jeu. Et comment va ta maman? Il y a du mieux? Oui. Elle est enfin sortie du coma et son corps réagit bien au traitement. Ah, Dieu merci. Je pense être de retour la semaine prochaine. Dis-moi, ça va? Non, non, on profite du week-end. On a fini à la piscine, là. Là, on est en train de manger un gros poulet. Je suis contente que tout aille bien. Aïcha? Elle est avec nous. Je peux lui parler, s'il te plaît? Ok. Aïcha, ta tante veut te parler. Allô, tante? Profite bien de tes derniers instants. Parce que je te jure qu'à mon retour, tu ne feras pas deux jours de plus avant de rejoindre ta défunte mère dans les cieux. D'accord, tante. Portez-vous bien haut, tante. Allô? Ok, bye bye. Aïcha, tu es très belle. Les menaces de Tanti m'avaient anéanti, au point où je me demandais si ma quête en valait la peine. Je ne connaissais pas cette famille avant. Et même si je voulais les protéger de la méchanceté de ma patronne, ils n'étaient pas ma famille. J'étais là pour travailler et non pour me créer des ennuis. Tanti m'avait prouvé qu'elle était déterminée à me faire du mal. Même si j'étais bien protégée, je ne savais pas ce qui m'attendait à son retour. J'ai aussi une famille qui compte sur moi
et pour qui je suis un espoir. Alors j'ai décidé de mettre un point à cette guerre et de partir de cette maison. Aïcha, tu pars? Non, pourquoi Dani? Pourquoi tu dis ça? Tu fais ta valise. Tu veux nous laisser, c'est ça? Pourquoi tu veux partir? Dani, c'est compliqué. Je vais demander la route à ton papa. Aïcha, s'il te plaît, ne nous laisse pas seuls. Tu peux pas nous abandonner, surtout que notre mère n'est pas là. Qui va prendre soin de nous maintenant? Et puis, on se sent tellement bien avec toi. S'il te plaît, Aïcha, ne pars pas. Alors les filles, ce soir, c'est soirée cinéma. Ouais. Alors dites-moi, quel genre de film vous aimeriez regarder? Une comédie musicale. Oui, comédie musicale. Ah, donc vous êtes unanime sur le choix? Oui, papa. Ok, on va voir si j'ai ça dans mon disque. Daniel, oui? Tu peux appeler Aïcha? Ce soir, c'est soirée cinéma pour tout le monde. Apparemment, il n'y a que nous deux qui suivons le film. Elles se sont endormies. Aïcha, dis-moi. Tu penses vraiment que je me laissais dominer par ma femme? Tonton. Vas-y, réponds. Sois sans gêne. Un peu, oui. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai comme l'impression qu'elle m'avait ensorcelé. Pourquoi vous dites ça? L'amour demande souvent des sacrifices. Oui, mais pas au point d'abandonner sa dignité, surtout en tant qu'homme. Et maintenant, j'arrive à m'imposer sans qu'elle ne me crie là-dessus ou qu'elle ne me porte main. Ok. Si ce que vous pensez était vrai, si c'est vrai que votre femme vous avait ensorcelé, et que le fait que vous soyez désormais libre soit l'œuvre d'une personne de bonne volonté. Vous êtes beaucoup trop laid, vous, pour que je sois déjà rendue au ciel. Une femme qui bat son mari peut lui ôter la vie. Et si jamais c'était le cas, je lui demanderais le divorce sur le champ. Pas tout à fait, c'est autre chose. C'est autre chose. Parfois, le stress... Mon oncle, lui, n'a pas eu le temps. Il a été victime d'une femme qui l'a envoûté. Elle l'a maltraité. Elle lui a ôté la vie quand elle a dépouillé de tous ses biens. Sa maman m'a tellement fait mal. Je suis désolé. Tu peux venir faire coucher la petite. Tu lis ce texte quand? Toi, ça va? Oui, ça va. D'accord. Aïcha? T'entends? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il te plaît? D'accord. Merci. Coucou. Maman! Chérie. Chérie, tu es là? Mais tu aurais pu nous dire que tu venais. On serait venu te chercher à l'aéroport. Ben non, je voulais vous faire une surprise. Apparemment, vous vous êtes bien amusée sans moi. Bonne arrivée, tante. Merci.
Je peux t'aider? Non, les filles, il se fait tard, alors on va aller se coucher. D'accord. Aïcha, tu les accompagnes. Allez, vous faites pas un bisou à votre papa. Allez. Bonne nuit, maman. Allez. Bonne nuit, ma fille. Allez, au dodo. Bonne nuit, chérie. Mais dis donc. Aïcha, Tanti, tu reviendras chercher la valise quand les filles seront couchées. D'accord. Ça va? Bah oui. Devine quoi? Dis-moi tout. Maman t'a fait ta sauce préférée. Ah ouais? Waouh. Alors, si tu le permets, je vais aller réchauffer pour que tu puisses manger. Et vas-y donc. D'accord. Je sens que je vais déguster. Tu es toute belle. Merci. Tanti était revenue et les choses allaient être bien différentes. C'était le recommencement de la guerre parce que cette fois, elle était venue pour m'achever et je le sentais. Aïcha, je croyais t'avoir demandé de l'eau. Tanti! Aïcha! S'il te plaît, me dis rien. S'il te plaît, Aïcha. Je ne veux pas perdre cette famille. Demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. S'il te plaît, Aïcha. Je vais dire à tonton. Non, s'il te plaît, me dis rien. Tu sais combien de fois j'ai souffert? Je ne veux pas perdre cette famille, je t'en supplie. Demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. S'il te plaît. Tonton! S'il te plaît. Tonton! Aïcha, non! Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fous comme ça? Mais c'est incroyable! Tu prends tes affaires, tu sors de chez moi, tu as compris? Je ne veux plus te voir ici! Tu prends tes bagages et tu sors de chez moi! D'accord? Mais c'est incroyable! C'est ça? C'est ce que tu fais? C'est ce que tu m'as fait toutes ces années? C'est ça? Plus jamais je ne vais avoir affaire à toi! Plus jamais, je dis bien! À ma place! Tu prends tes affaires et tu dégages! Qu'auriez-vous fait? Tu dégages dans ma vie! Les coups de la vie, il y en aura toujours.